Longue-toi, rien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, Fallon, laisse-nous. Non, entre, Fallon. Entrez tous, profitez du spectacle. Excuse-moi, Blake, il faut que je parle à Steven. Steven, il faut que je te voie. Regarde-moi bien, maman. Viens faire partie du jury. Tu veux savoir ce qui se passe ici, Fallon? Vous jugez ma vie en vous demandant comment je peux bien être à Carrington. Steven, viens dehors, rien que toi et moi, j'ai quelque chose à te dire. N'essaie pas de me faire taire, Fallon. Steven, je t'en prie, calme-toi. Écoutez, j'en ai marre d'être calmé. J'en ai marre de me forcer à vivre comme vous voulez que je vive. Steven, par pitié, ne gâchez pas cette belle journée de votre père. Non, 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 Crystal, laisse-le expliquer son problème. Et maintenant, laissez-nous seuls, nous allons régler ça entre Steven et moi. Oui, c'est entre nous deux. Mais vous avez tous une responsabilité dans cette histoire. Et moi, je n'avais que le droit de me taire. Ne fréquente pas les garçons, Steven. Trouve-toi une fille. D'accord, je l'ai fait. Et comment avez-vous accueilli Sammy Cho dans le cercle familial de Carrington? Steven, elle ne méritait pas d'être bien accueillie. En raison de quoi, ma chère maman? T'as su la vérité? Toi, la femme que son mari a flanquée dehors, et qu'il paye pour qu'elle ne vienne pas contaminer ses enfants? Oh, Steven, ne laisse pas le passé détruire le présent. Sammy Cho était une petite roulure, tout le monde le sait. Une petite roulure? Qu'est-ce que tu es, toi, Fallon? Tu ne vaux pas mieux qu'elle. Tu ne veux pas te donner en exemple. Ça suffit, Steven, laisse tomber. Pauvre Jeff, tu ne veux pas encore savoir la vérité, hein? Tu ne veux pas savoir que cette famille est pourrie jusqu'à la moelle. Steven, écoutez, ce que vous dites... Restez en dehors de ça, Joseph. Vous, Christelle, Jeff, vous n'êtes pas les Carrington. Même si vous avez été contaminé par votre maître, sa fortune, sa puissance, ses belles collections. Steven, ce vase ancien vaut très cher. Combien, papa? $1 million? Plus que ça? Plus que la vie de Ted Diener, peut-être? On ne va pas revenir là-dessus. Tu étais là, tu sais que c'était un accident. Ma sympathie pour lui n'en était pas un. Elle était honnête et raisonnable. Mais tu n'as pas pu l'accepter. Non, alors tu m'as forcé à ne plus le voir. Pour le bon renom des Carrington. Il faut que tu sois un homme, un vrai. Je suis un homme, mais pas dans ton genre. Finalement, je ne veux plus supporter la vie que je menais ici. Cette vie n'était pas la mienne. Tu me l'as posé. C'est terminé. À partir de maintenant, je vais vivre à ma guise. Je ne suis pas comme vous tous, papa. Non, je ne suis pas comme vous tous. Il faut me croire et accepter la vérité. Allez, dites ce que vous pensez. Allez, dites-le. Steven est malade. Que quelqu'un le dise. Elle est extraordinaire, cette scène. Extraordinaire. Steven est malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Vous savez ce qui me fait le plus de mal? C'est que je déteste votre manière de vivre. Je déteste vos valeurs, votre morale et votre étroitesse d'esprit. Et je vous aime. Mais je vous aime. Je vous aime tous, vous. L'héritier est un beau petit prince. Que Dieu bénisse le pauvre bébé. Il n'y a pas un mot que je retirerai de ce magnifique monologue que j'aurais aimé vouloir écrire.
Moi, je suis pas homosexuel, hein. Je me sens pas concerné dans le sens homosexuel. Je me sens concerné dans le sens où je suis différent et que je ne correspond pas aux valeurs de mon père et encore moins aux valeurs de ma mère qui était témoin de Jéhovah. C'était son choix. Et ce que je note dans ce scénario, c'est que Stephen Carrington dit, allez, dites-le, Stephen est malade. Et on considère l'homosexualité comme une maladie. Nous sommes en 1982. Hein. Pour les gens qui ne connaissent pas Dynasty, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dynasty, nous sommes en 1982. Et on considère l'homosexualité comme une maladie. Ce qui est bien évidemment inadmissible, parce que on ne peut pas considérer l'homosexualité comme une maladie. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe dans un choix, dans un désir et dans une envie. Moi, ça ne m'a jamais concerné. Je suis tellement obsédé par la femme que personnellement, de toute façon, soyons clairs et nets, je déteste l'homme. C'est carrément que j'ai une aversion pour l'homme. Et je l'ai toujours dit à mes collègues, j'avais des collègues bisexuels, j'avais des collègues homosexuels, et je leur disais toujours, écoutez, je vais être franc avec vous, je suis comme Prince. Je n'admire que la femme, je ne jure que par la femme et je ne suis inspiré que par la femme. C'est à peu près, c'est moi je le dis avec mes mots, mais c'est à peu près comme ça que Prince avait expliqué à son entourage. Mais nous sommes par contre, comme nous sommes très inspirés par la femme, nous avons des côtés, en tant que danseur, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, très efféminés. Et l'homosexualité étant quelque chose que je ne comprends pas puisque je déteste l'homme. Alors je vais m'expliquer, l'homme est poilu, l'homme fait du 43 dans ses chaussures, alors moi j'adore les pieds. Les pieds c'est hyper important pour moi, c'est comme les mains. Les mains et les pieds c'est sacré pour moi. Il faut que les mains soient belles, il faut que les pieds soient... Et où c'est que chez les hommes, et là c'est l'italien qui parle là, où c'est que chez les hommes vous allez trouver ça? Les pieds sont poilus, la plupart du temps ça fait du 42, du 43, il n'y a rien de sexy. Les jambes sont poilues, les bras sont poilus, la plupart des hommes sont chauves, il faut bien le dire. Ils sont gras, ils sont gros, ils sont... enfin, tout ce que je déteste. Donc un jour j'ai dit à quelqu'un, ne m'en veux pas, mais tu vois, rien que pour ça, je ne peux même pas concevoir l'homosexualité, puisque ce n'est pas un désir. Mais ce n'est pas le sujet sur Dynasty. Le sujet c'est... Comment est-ce qu'on rejette une personne et qu'on finit par dire « Stephen est malade ». Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. La tolérance, même si moi je suis à l'opposé des homosexuels, je ne peux pas comprendre ce désir, je suis tolérant, je le comprends. En tant que chanteur, artiste, marginal, appelez ça comme vous voulez, je comprends ce débat de l'homosexualité. Et il y a des choses très fortes qui sont dites en 1982. Lorsqu'il dit « je rejette toutes vos valeurs », enfin, réécoutez tout le monologue qu'il dit, et c'est là où vous voyez que Dynasty est vraiment, je tiens à cette publicité envers Dynasty, j'en ferai toute ma vie, c'est ma série préférée. Et toute ma vie, je ferai cette publicité pour Dynasty, pourquoi? Parce que je pense que, avec certaines séries, comme 8 ça suffit, Madame est servie, toutes ces séries des années 80, fin 70, et puis Aline et Cathy aussi, mais il y en a beaucoup, elles sont chargées de valeur, mais énormément de valeur. Et il y a Côte Ouest qui est énormément chargée de valeur aussi. Et dans les années 2000, il y a très peu de séries qui sont chargées de valeur. Il y a beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de provocations. Et à part Desperate Housewives et Sex and the City, qui sont remplis de valeurs, derrière leur côté, m'as-tu vu, les autres séries, c'est beaucoup d'effets visuels et pas vraiment de profondeur dans la famille. Ce qui n'est pas le cas de Desperate Housewives. Et c'est les rares séries des années 21e siècle. Donc, si on se concentre sur le 20e siècle, vraiment... Dallas, ses limites, je ne peux pas trop parler de famille.
Il y a vraiment, c'est vraiment la cupidité. Mais il y a le côté familial aussi, mais juste dans les premières saisons. Mais Dynasty et Côte Ouest, c'est vraiment ancré dans une valeur. Ça lance des messages. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le monologue de Stephen Carrington. C'est qu'il lance des messages très précis auxquels je trouve ça extraordinaire. Là, tous les mots qu'on a entendus, je peux pas. Ça fait déjà 10 minutes 25 la vidéo. Je ne peux pas tout décortiquer de ce qu'il dit, mais il y aurait tellement à décortiquer. Il y aurait tellement, quand il dit à sa sœur, « Toi, tu dis que ma femme est une roulure, mais quel exemple es-tu, toi ?» Et qu'en gros, tout ça n'a pas de sens. Et puis après ça, le personnage de Stephen Carrington va disparaître pendant un très très longtemps. Il reviendra plus tard sous notre visage, dans Dynasty, mais il va disparaître, ce personnage. Et je suis très touché par ce passage de Dynastie très touchant. Je voulais simplement le partager parce qu'aujourd'hui, en 2023, malheureusement, plus personne ne diffuse Dynastie. Avant, FR3 le faisait. Enfin, France 3, si vous préférez. Mais FR3 diffusait Dynastie. Maintenant, Dynastie, c'est plus du tout diffusé. Et je trouve ça d'une... Moi, je trouve ça une telle tristesse parce que ce sont des séries qui, derrière le pétrole, derrière l'argent, derrière les dollars, ont des petits messages cachés. Et des messages cachés de 1982 pour les générations à venir. Parce que la réalité, c'est que ce que dit Steven, c'est pour les générations qui sont à venir. Tous ces mots qui ont été mis dans cet acteur sont des mots qui vont servir pour la génération future, c'est la génération 2023, quoi. En gros, vraiment, c'est que le respect. J'ai que le respect pour cette série. Voilà, je vous schtroumpf la love. Je vous aime et je ne le redirai jamais assez. Que Dieu bénisse Lady John Collins. Elle est là, voilà. Parce que cette dame, vous voyez sur cette photo, elle a 50 ans. Et... cette dame qui a aujourd'hui 88 ans, c'est une de mes mères spirituelles. Oh bah j'en ai eu trois. Hein. La première, c'est Joan Collins, donc la dame que vous voyez là, Joan Collins. La deuxième, ça a été Brigitte Bardot, ou devrais-je dire Dalida, je ne sais jamais dans l'ordre, hein. Mais Dalida et Brigitte Bardot. Voilà, ce sont mes trois mamans spirituelles. Et vous voyez, je vous le prouve parce que elle est devant l'entrée de ma porte. Voilà. Joan Collins est devant l'entrée de ma porte. C'est quelqu'un dont je garde vraiment les valeurs. Elle s'est battue dans les années 50, elle s'est battue dans les années 60. Et le fait de jouer une mère un peu intolérante et un peu difficile dans Dynastie, sous le nom de Alexis Carrington, c'était pour faire mieux comprendre à la société, voilà comment vous êtes. Et nous, on vous le met dans la série Dynasty. Mais nous ne sommes pas comme ça. D'ailleurs, elle vivait comme une marginale, John Collins. Quand j'ai vu son parcours dans les années 70, mais c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui vivait vraiment comme une marginale. Allez. J'ai pas envie de dire que God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique, parce qu'absolument pas, non, vraiment pas. Je préférais plutôt que Dieu bénisse le 93 pour que le 93 et le stade de Saint-Denis, le parc de la Courneuve et l'église de Saint-Denis Basilique et tout ce qu'il y a autour soit toujours conservé et que tout ce qui nous entoure en 93 soit conservé. Alors je ne vais pas dire que Dieu bénisse ceci ou cela, je vais simplement dire effectivement que Dieu garde des gens comme John Collins qui ont des valeurs qui sont en dehors de l'Angleterre, puisqu'elle est anglaise, hein, John Collins. C'est une dame anglaise. Mais que Dieu bénisse les gens qui ont de la valeur. Et je remercie Dynasty pour avoir dévoilé ce qui n'allait pas dans la société déjà dans les années 80. Je vous schtroumpf la love. Au revoir, je vous aime.